Bonjour, nous sommes le samedi 4 juin et nous nous trouvons ici même sur la place du Totem, un autre lieu iconique de Villeurbanne. Vous avez vu au tout début de cette vidéo le conteneur éphémère qui permet de s'informer sur toutes les activités et actualités de Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022. Villeurbanne a voulu mettre la jeunesse à l'honneur. En ce moment même se déroule le festival réel à la Fessine. Allez-y, c'est important. Et pour parler du Totem, il s'agit d'une œuvre qui a été érigée en 1981 par le sculpteur et plasticien français Guy de Rougemont, qui est décédé l'an dernier. Ce monument a été érigé en l'honneur de Napoléon, puisqu'ici même se trouvait au XIXe siècle un monument en l'honneur de l'ancien empereur. Nous avons évoqué la culture, un point qui est très important pour moi, et je souhaiterais en tant que député proposer une loi qui permettra d'apporter des moyens de lire dès le plus jeune âge pour des enfants qui rentrent au CP. Donc je souhaite que pour les enfants de 5 à 7 ans qui rentrent à l'école primaire, on puisse allouer un forfait, un pass lecture qui bénéficierait à leurs parents en fonction de leurs revenus. On attribuerait jusqu'à 30 euros par an par enfant scolarisé afin d'acheter des livres qui permettraient de se donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Le pass lecture, une belle proposition pour notre jeunesse et pour la nation française.